Non mais c'est pas possible, t'en as encore mis partout, mais t'as du jaune partout sur toi, mais c'est quoi cette histoire? Mais j'en ai marre! Va te mettre au coin! Va te mettre au coin tout de suite, y'en a ras-le-bol! Elle a encore fait des feuilles jaunes. Alors voilà, bah je voulais faire une petite illustration de la façon dont on parle parfois à nos enfants. Et donc nos enfants, bah c'est un peu comme des plantes vertes. Bah quand elles vont pas bien, quand elles ont des feuilles jaunes ou quand elles ont des petits soucis, mais ça ne nous viendrait pas forcément à l'esprit de leur parler comme ça. Au contraire, on essaierait de les chouchouter, peut-être de changer la terre, l'engrais, le terreau dans lequel elles grandissent. On essaierait peut-être de les arroser un peu plus ou un peu moins. Voilà, on essaierait de trouver des solutions. On irait peut-être même dans un magasin spécialisé, dans une jardinerie haute, pour poser des questions et demander comment on peut faire pour entretenir ces belles plantes. Et pour faire en sorte qu'elles soient de plus en plus belles. Vous voyez, celle-là, on lui a donné beaucoup d'amour. On lui a parlé correctement. Et voilà, c'est des plantes épanouies. Alors la prochaine fois que tes enfants t'irritent, ben, je t'invite à faire le parallèle avec cette belle plante verte. Et puis, tu peux également télécharger le guide Obtenez plus grâce au jeu dans lequel je partage pas mal de jeux et d'astuces pour sortir du rapport de force avec nos enfants, avec la parentalité ludique. À très vite, bye bye. Tu sais que je t'aime, toi.